Nang's Reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle influenceuse Croqueuse de Diamants. Croqueuse de Diamants, c'est une jeune fille du Cameroun qui partage l'argent aux gens comme nous témoignent les vidéos que nous avons vues sur les réseaux sociaux précédemment. Les frères et sœurs, résultat. Le résultat est là. Et c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que les gens aiment Croqueuse de Diamants. Mais regardez! Cette jeune fille qui est ici. Ha! Elle est arrivée en exposant beaucoup d'argent comme ça sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Elle s'est mise à tout partager et à donner son nom. Elle dit qu'elle s'appelle Croqueuse de Diamants. Parce qu'elle, elle ne croit que le diamant. C'est tout hors du commun. Tout de suite, les gens ont commencé à la suivre. Écoutons-la. Mais de mon père, quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre. Mais de mon père, quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre. Mais de mon père, quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Et elle a fait beaucoup de boucan sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous dis que les gens aiment cette jeune fille. Bien que les gens aient dit que c'est la société qui a fait pour son argent, malgré tout ça, les gens courent après elle hein, pour lui demander sa thune. Écoutons ça. Croqueuse de Diamants, je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tu es en train de distribuer l'argent, tu sais comment partager l'argent. Je ne croyais pas. Mais il faut que tu saches aussi, il y a les Nordistes. Je suis une influenceuse Nordiste. J'entends mon dépôt, bisous. Elle dit que elle aussi, elle attend son dépôt. Elle dit que les gens ont parlé, les gens ont dit qu'elle partage l'argent, mais elle n'y croyait pas. Mais là, elle revient en force et en puissance pour demander la thune de cette jeune fille, même si elle ne sait pas d'où ça vient. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ha! Il y a une Croqueuse de Diamants. Est en train d'avoir des fans. Les gens chantent même pour elle, sérieux. Les gens chantent même pour la fille, hein? Alors qu'ils ont dit que c'était la sorcellerie. Alors qu'ils ont dit que c'était la magie. C'était la secte. Maintenant, ils chantent même pour eux, pour elle. Et en plus, ils lui demandent encore de l'argent. Regardez ça. Mais une nouvelle petite Dior maintenant que Croqueuse de Diamants, hein, Croqueuse de Diamants, elle partage les millions à tout le monde. Mais elle bataille ma femme, regarde comment sur le charbon, sur la pluie, sur le soleil, ma. Mais on finit comme sur le charbon, ça fait là presque c'était un gros tas comme ça, non, ça reste là petit. Après, on met 2 000, ma. Nous, on sait les 300 000 que tu donnes aux gens, non, il fait dans quoi, Seigneur? Oui, on te dit ça. Chacun fait sa vidéo. Chacun fait sa vidéo pour demander maintenant la thune de la fille. Puisque tout le monde veut aller racler son argent. Tout le monde veut goûter son argent. Ah, regarde encore. Coco le diamant, c'est coco de quoi là? À CRC, nous sommes gays, mais le mauvais argent, c'est faux. Bien, moi, l'argent, dis donc. Même si c'est un serpent qui vomit l'argent là. Ah, 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 ah,
Tu manges seulement, je suis dans les machines là. Envoie seulement. Même le OM là-bas, envoie tout ça, c'est la magie. Et dit, même si c'est le serpent qui vomit l'argent là, faut envoyer seulement. Allez, là, les gens n'ont plus peur. Ils ne sont plus inquiets. Ils ont regardé la souffrance. Ils ont dit, mes frères et sœurs, vraiment, c'est pas bon. Même si c'est le diable, hein, ils sont prêts à prendre cet argent. Sérieux. Sérieux. Vous entendez ce que l'homme dit? Est-ce que vous entendez ce que les gens disent? Ah là là, c'est grave. Écoutez encore une autre personne qui a demandé de l'argent. Il y a une influenceuse là qui partage de l'argent à tout le monde. Moi, je tiens d'abord à vous dire premièrement que son argent n'a aucun effet sur moi. C'est pour ça que vous voyez depuis, je ne parle pas de ça parce que son argent ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Maman, ça me dit pardon. Ton argent me dit, hey, j'ai dit quoi comme ça? Ça ne me dit rien du tout. Elle fait partager l'argent aux gens, elle fait s'agiter, s'agiter. Parce que moi, si elle m'envoie ça, je peux utiliser ça. Elle m'envoie l'argent, je lui renvoie ça. Si vous doutez, je lui donne mon OM, hein? Mon orange, mon nez, elle envoie l'argent. Je vais lui renvoyer ça. Maman, pardon, envoie, je te renvoie que j'ai l'autre. Hey, je t'envoie que je blague sur moi. À quoi vous jouez? Mais à quoi vous jouez, vous là? Hé, l'homme. L'homme ne cessera jamais de m'étonner. Jamais. Voici une jeune fille qui a reçu sa part. Croquer de diamant. Ah, un gamin fait le dépôt de 200 000 comme les blagues. Ah, il y a son gros de Snapco. Amis, je suis les amis, j'ai envoyé mon numéro fait le dépôt de 200 000. Ah, il y a fait le refaire là. J'ai même peur. Ah! Ah! C'est vraiment bizarre. Et la guerre est lancée contre la croqueuse de diamants. Apparemment, il y a des gens qui sont en train de boycotter la croqueuse de diamants en dessous. Apparemment, ce serait des influenceurs aussi. Les influenceuses qui sont allées payer les blogueurs. Pourquoi on boycotte croqueuse de diamants? Vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous tremblez? On me panique pourquoi? On me tremble pourquoi? Hein? Moi, je reste encore sur ma position. J'ai un seul problème avec elle. Je veux savoir l'origine des sous. Sinon, chacun est libre de faire de son argent ce qu'il veut. J'ai un seul problème jusqu'ici. Je veux savoir l'origine de l'argent. Et c'est ce que je demandais de plus. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Il explique que les gens sont en train de boycotter la fille. Hein? De boycotter la fille tranquillement, juste comme ça. Ah! C'est grave, hein? C'est très, très, très grave. Mais que se passe-t-il? À cause de quoi? À cause du fait qu'elle a réussi quelque chose que la plupart d'entre elles n'ont pas pu? Ou c'est quoi? Bon, écoutons cette fille. Les internautes sont la preuve concrète aujourd'hui que c'est tout ce qu'il y a de négatif qui perce. Vous l'insultez, mais vous l'adulez. Vous la critiquez, mais vous lui demandez son argent. Et aujourd'hui, elle est croqueuse de diamants grâce à vous. Elle n'a eu aucun effort pour être médiatisée sur toutes les toiles confondues. Étant donné que finalement, selon mes analyses, et heureuse de constater que Franco Le Million en ait parlé, elle est simplement un concept. C'est-à-dire, on a investi en termes d'argent visible sur les réseaux, en termes de, c'est-à-dire de biens, dans le sens de véhicules, les endroits dans lesquels elle va, de telle sorte qu'elle ait une telle image pour pouvoir gagner des contrats plus tard, pour pouvoir gagner des entrées. Chose que beaucoup d'influenceuses avant, elles, ont fait. Celles qui, justement, ont percé dans la zone 2014-2015, à mon temps, dont je ne vais citer les noms, qui procédaient par un, comment dire, une façon de vivre luxueuse pour pouvoir gagner des grands contrats et partenariats. Mais ça n'a pas toujours été ça. Et si ça a été le cas, ça a été très éphémère. Ouais, déjà. C'est bizarre. Les œufs de diamant qui est. C'est étrange. Mais les gens continuent
a donné des révélations sur elle. Écoutons ça. Elle a été prise d'assaut hier soir. C'est la voiture de croqueuse de diamants qui a été prise d'assaut hier soir quand elle revenait d'une cérémonie. Je demandais, c'est comment elle... Ça veut dire que pendant qu'on est ici, on gaspille notre énergie pour dire faites attention à l'argent dépensé gratuitement. Regardez, il y a moins de 1000 personnes là-bas. Il y a des gens qui montaient carrément sur la voiture. Tata, pardon, donne l'argent. Tata, pardon, donne l'argent. Et il se pourrait qu'elle ait donné 2 millions aux gens là-bas. Maman, la morale a foutu le camp. Pas des enfants, mais des pères de famille, des mères de famille. Pour supplier l'argent, vous voulez prendre l'argent là que vous avez travaillé, ça canne. C'est-à-dire que non, mon pays va mal, c'est tout ce que je peux dire. Je suis choquée. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai choqué de chez choqué de chez choqué. Les gars, vous venez supplier qu'on donne l'argent là qu'on a pris ça. Je demande, en tout cas, je passe le temps à dire cela qu'on ne prenait pas l'argent des gens. Ou si c'est même mieux que je parte aussi la voie et Chokuma, pas même de 1 million comme ça, je rentre dormir chez moi. Parce que si c'est que je veux éveiller les consciences et que les consciences veulent seulement s'endormir, autant elles s'endorment tous ensemble. C'est incroyable, incroyable. Déjà, elle a fait la vidéo. Pour dire aux gens, oh, n'allez pas prendre son argent parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais les gens courent quand même aller la voir pour prendre son argent. Sérieux, et ça devient bizarre. Écoutons ça encore. Affaire de coqueuse de diamants qui continue toujours à donner le dieu aux gens. Vous savez que non, les anciens billets là, c'est à la fin de l'année que ça se termine. Parfois également, on lui a donné beaucoup de billets afin qu'elle termine les anciens billets là. Parce que des nouvelles vont bientôt arriver, je ne sais pas. Et puis vous qui prenez le jet n'importe comment, vous ne savez même pas d'où la personne sort le jet. Si elle fait des films, mougoutez peu. Si elle, comment on appelle ça, si ce sont des conditions, parce qu'il y a des conditions bizarres, hein. Dans les trucs de ténèbres là, il y a des conditions où on vous dit, chaque jour, il faudrait que tu finisses le jet avant minuit. Faites attention, hein. Moi-même, si hein, quelqu'un vient me donner seulement un million, on en prend. Raina, faut prendre. Je vais refuser. Vous savez pourquoi je vais refuser? Je vais d'abord demander à Dieu, Seigneur, montre-moi d'abord l'état d'âme de la personne. Vous prenez juste comme ça, le dire comme ça, vous ne savez même pas ce que la personne tire sous vous. Hein? Mon peuple périt par manque de connaissances. Affaire de coqueuse de diamant. Elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit avant de prendre, elle a dit que si c'était elle, elle allait d'abord prier. Si c'est là. Et demander à Dieu de lui montrer d'abord. Quel est l'état d'âme de la personne? Ouais, non. Quel est l'état d'âme de la personne avant de prendre son argent? Ah oui, hein. Quel est l'état d'âme de la personne? Mais à l'heure où je vous parle, hein. Il n'y a plus d'état d'âme. Il n'y a plus d'état d'âme à l'heure là. L'état d'esprit n'a fui en longtemps. L'état d'esprit, il n'y a pas d'état d'esprit à l'heure là. Tout le monde court après sa thune et regarde les bienfaits qu'elle fait aux gens. Regardez ici, il y a eu un problème là-bas. Je ne sais pas, inondation, tout ce genre. Elle allait rendre visite aux victimes. Elle a donné un peu d'argent pour les soutenir. Et ça, ça a attiré encore beaucoup de points positifs des gens avec elle. Quoi. Bon, les gens ont commencé à l'aimer encore plus à cause de ça. Écoutons ça. Même si c'est l'argent du diable, comme les gens disent. Même si c'est l'argent de la secte, comme on dit là. Vrai, vrai, non. Même quand tu utilises l'argent de la secte pour faire du bien avec, Dieu bénit ça, dis donc. Dieu bénit. Genre, si quelqu'un te donne l'argent du formula pour te soigner avec, Dieu va bénir. Je dis que Dieu va bénir. Les gens qui passent le temps à l'insulter. Maman, je suis avec toi. Elle s'est déplacée. Jusqu'à Boya, combien d'influenceuses, combien de ceux qui l'insultent là ont fait ça? Combien d'entre vos soi-disant influenceuses là? Après qu'on va parler, là, qu'on va dire que le français a fait ci, le français a fait là. Bon exemple à suivre, même si c'est la langue de la sorcellerie, maman, prends tes cœurs, tu fais bien. Même si c'est l'argent du... Elle dit même si c'est l'argent de la sorcellerie, hein. Ma chérie, nous on est avec toi. Parce que vu tes œuvres, vu ce que tu es en train de faire pour aider les gens, on est avec toi. Est-ce qu'elle est en train de dire en gros? Vous voyez ça? Pendant qu'elle est en train de parler, il y
les gens qui attendent minuit pour aller chez les le thune. Regardez. Il est là. Coco de Diamant a dit qu'on se connecte à minuit. Il est là. Il est 2 heures. Pourquoi on ne m'a pas réveillé? Coco de Diamant a dit qu'on se connecte à minuit. Oui, là, tu crois qu'on se connecte à minuit. Seigneur Jésus. Coco de Diamant a dit qu'on se connecte à minuit. Coco de Diamant a dit qu'on se connecte à minuit. Minuit est passé, c'est quoi? Il est 2h du matin, on fait comment? Eh, hey, Coco de Diamant. En tout cas, on découvre beaucoup de choses et ça fait rire souvent. Écoutons ça. Non, mais Coco de Diamant, tu es un génie. Depuis que tu as fait ton apparition, vraiment, tu as dévoilé tous les artistes camerounais qui ont fun. Les gars étaient dans les têtes. La maison, on n'a pas payé. On voit les machines premières. On voit les ados, les diplomates. On voit les mayonnes. Moi, je regarde mon quartier. Moi, il me manque seulement la force de vous demander. Cette affaire commence à beaucoup me faire rire. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que c'est grave. Les gens sont prêts à prendre la loi du diable même vis-à-vis. Ils s'en foutent du reste. Ils disent qu'ils s'en foutent. Même si c'est les serpents qui vomissent dans la jarre. Même si c'est la sorcellerie, ils s'en foutent. Ils vont prendre ça. Il y a l'un qui dit, même si y a la boue ou la poussière dessus, il va prendre ça pour laver. Vous voyez la souffrance. Ah, la souffrance, la pauvreté, le problème. Ça pousse parfois les gens à faire des choses que normalement ils n'auraient pas fait. Oui. Vraiment. C'est pas de la peine. Que Dieu nous aide à sortir définitivement de toutes ces choses-là. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est vous, donc rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce board. Abonnez-vous, restez connectés. Laissez vos chaînes et partagez cette vidéo. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre part. Soyez prêts!